Ça, c'était Battle of the Century, un film, que je crois, qui est de 1927 avec Laurel et Hardy. Et oui. C'est ça? Réalisé par le formidable Léon McCarey, un des grands auteurs de la comédie corrosive. Ah, bon, voilà. Oui. À côté de moi, je vous assure que je n'exagère pas en vous disant que c'est probablement un des Belges les plus célèbres de la planète. Je n'exagère pas parce que l'Entarteur, on le connaît même aux États-Unis. C'est vrai ou pas? Moins célèbre que Jean-Claude Van Damme et Plastic Bertrand. Oui, peut-être, et encore. Tout à fait, mais connu. Parce que Noël Godin, c'est avant tout un anarchiste libertaire, un humoriste, mais bien belge. Est-ce qu'on peut dire, pourtant tu écris partout que tu conchis le drapeau? Oui, bien sûr. Bien sûr, et l'appartenance à un pays, donc la Belgique, mais que je le veuille ou non, je suis belge, je me sens totalement internationaliste, donc un gibier de potence, ta belgitude. Cosmopolite, ta belgitude. Plutôt. Mais il faut reconnaître qu'en Belgique, il y a quelques satanés olibrius, et que c'est souvent ce que les Français connaissent. Des personnages assez bizarres, d'Arnaud à Benoît Poulvorde. Il est rare que les Français soient face à un Belge qui n'est pas un grain d'une façon ou d'une autre. Peut-être Philippe Geluck, qui sent plus raisonnable, mais encore, qui se révèle sous un aspect beaucoup plus anard déchaîné depuis quelque temps, depuis qu'il a collaboré à Cine Hebdo. Donc, les Belges, pour la plupart des Français, ont quelque chose de frappadingue, de joyeusement et chaleureusement frappadingue. Toute cette aventure a démarré, parce que j'ai lu quand même pas mal de choses sur toi sur le net, en 68, je crois. Disons plutôt quelques années avant, le coup d'envoi, c'était un gag au cinéma du collège des Jésuites Saint-Servais de Liège, le Luxe, en pleine projection du film Les Oiseaux d'Hitchcock. Ah, un très beau film. Avec Viv Hitchcock, avec quelques comparses, j'étais sur les balcons, et à un moment clé du film, quand des hargneux volatiles fonte sur les enfants, totalement. Nous avons honté de nos sacoches des pigeons vivants que nous avons jetés dans la salle. Certains se sont envolés, d'autres sont tombés comme ça parce qu'ils étaient restés dans un panier quelque temps. On a rallumé dans la salle, des jésuites couraient après les oiseaux et ça fait la une de la Gazette de Liège. C'était le premier gag. Je n'appartenais pas à ce collège. Ah bon, d'accord. Revenais d'un autre. Mais en 68, alors j'ai vu que tu as renversé, non pas une tarte, mais à mon avis, c'est beaucoup plus embêtant, un pot de colle sur un prof de Mif. Oui, il s'agissait de Marcel Decorte, un prof totalement d'ultra-droite qui a écrit lui-même la constitution du président portugais Salazar Facho. Oui. Mmh. Il donnait cours et j'ai surgi tout d'un coup, avec un ami déjà avec une fausse bape, nous avions un tablier blanc, pot de colle à la main, et nous sifflotions l'international. C'était en plein cours, l'auditoire était bondé d'élèves, et nous nous sommes mis à clouer derrière l'auguste magistère, qui s'était crié assez curieusement, « Dehors, prolétaire, votre place n'est pas ici. » Sur ce, j'ai saisi mon pot de colle, je me suis avancé vers lui, et je lui ai déversé le pot de colle sur la tête en m'écriant « Le matériel universitaire, pardon, le matériel universitaire aux ouvriers. » Aux ouvriers. Il n'a plus reparu au cours durant une quinzaine de jours, traumatisé. Et alors après, je vois une liste, mais... La première agression burlesque. Ben oui, voilà. Je vois Marguerite Duras, Henri Guillemin, que les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais qui était un historien qu'on voyait à la télévision et que tout le monde suivait avec beaucoup d'intérêt. Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Bernard-Henri Lévy, on va en parler, je crois que c'est 6 ou 7 fois qu'il a... Sept fois. Bill Gates.
notre tour de force, c'était que nous avions d'abord des indications précises grâce à une Matahari de Microsoft, un cadre vient me trouver et me dit « Écoutez, monsieur l'entarteur, je ne suis pas de votre bord, mais je considère que Bill Gates a besoin d'une bonne leçon. » Il commence ça peut-être à se la péter. Il a employé des mots plus réservés. Et dès lors, il nous le livre sur une assiette. Il vient, nous avons son parcours totalement pointilleusement notifié. Totalement. Ce qui fait qu'on a pu monter l'opération avec une trentaine de complices. Nous avions 12 secondes pour opérer, car de sa voiture au concert noble, où des piliers du gouvernement attendaient le multimilliardaire, nous avions réparti, durant cette petite portion d'espace, une trentaine de complices qui avaient des tartes dans des sacs, parfois sur eux-mêmes, dans du matériel de photographie, et qui semblait ne pas se reconnaître, il n'y avait pas du tout une ambiance suspecte. Il sort de sa voiture quand, pang, 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 il est encerclé de tartes par les galapias et 4 tartes lui sont balancées en pleine figure. Ses gardes du corps ne dégainent pas car j'avais recommandé aux comparses de sourire. Ah oui. Et de faire des gloups, 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 gloups. Ce qui a désarmé, heureusement, les gardes du cul. Mais lorsque vous faites un entartage, vous avez, enfin, je dis vous parce que je pense à tous ceux, la brigade pâtissière qui travaille avec toi, vous répétez tout au gloup, 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 entartons les. Alors, nous avons un cri de guerre. Un cri de guerre, voilà. En alexandrin, adapté à chaque victime. Ah bon. Le plus connu est réservé à Bernard-Henri Lévy, c'est « Entartons, entartons les pompeux corlichons voilà. !» Mais quand nous avons entarté le ministre de la Culture français, Philippe Douste-Blas, oui. C'était « Entartons, entartons les ministres bouffons !» Quand on a entarté Sarkozy, oui. Alors ministre de l'Intérieur, c'était en plein Bruxelles, c'était « Entartons, entartons les craques nauséabonds !» Et pour Bill Gates, car il s'agissait de se faire comprendre oui, en anglais, en très peu de mots, non, en français de chez nous, mais qu'on comprenne par notre cri de guerre pourquoi, tout était dit dans la formule de guerre, entartons, entartons de pognon, pognon. Eh bien, nous avons appris, une dizaine d'années après l'entartement de Bill Gates, une histoire effarante. Nous avons appris que le jour de son entartement, Bill Gates, 2 heures avant, s'était rendu à la pâtisserie Vitamère, qui est célébrissime en Belgique. Oui, et il explique avec son escorte que leur réputation est arrivée jusqu'à lui aux États-Unis. Et il commande toute une série de gâteaux à lui livrer à son hôtel en fin d'après-midi. Et il se fait que quand Madame Vitamère, dirigeant tout ça, livre elle-même les commandes pour la cour royale ou pour les chefs d'État étrangers, donc en l'occurrence, elle se dirige elle-même vers l'hôtel Conrad en question, sans savoir rien des désagréments pâtissiers de l'après-midi de Bill Gates. Elle arrive à l'hôtel Conrad, il y a un barrage policier. On dit que désirez-vous, madame, je viens voir monsieur Gates, peut-on savoir pourquoi, madame? Elle a ses cartons à gâteaux. Je viens lui livrer des gâteaux. Eh bien, madame Vitamère a été mise en état d'arrestation. Il est un peu houspillé, il en était mal remis une dizaine d'années après. Oui. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans la liste, bon, il y a des gens, je vois très bien, parce que on voit bien que vous êtes de gauche et que vous entartez les gens de droite, ou qui vous paraissent de droite. Mais il y a des noms, je me demande, Maurice Béjart, mais pourquoi avez-vous entarté Béjart? Ouais, c'est très simple. En 1969, Pascal Sevran, au Festival d'Avignon, il y a eu une grande contestation contre la direction du festival, oui, contre Jean Villard. Oui.
Et les flics ont matraqué les contestataires, à savoir toute une série d'acteurs, dont la troupe du Living Theatre. Ouais. Et Moïse Béjart était du côté de la répression. Ah, voilà une bonne réponse pour son cas. Bon, Pascal Sevran, c'est vrai qu'il était de droite, c'était notoire, mais qu'a-t-il à voir, disons il se voulait d'ailleurs socialiste à cette époque, il se voulait... Il avait été adoubé par Mitterrand, mais lui, pour la bonne raison que ses émissions étaient très souvent rediffusées la nuit et qui m'exaspérait particulièrement, il me tapait totalement sur les nerfs, je trouvais que sa voix était impossible, que son vocabulaire c'est était personnel, ça, c'est plus une pauvreté totale, c'est plus idéologique, c'est je personnel. Savais non car. Le point commun entre toutes nos cibles, c'est pas seulement qu'ils se prennent tragiquement au sérieux, qu'ils se la pètent tout à fait, c'est aussi qu'ils sont dotés d'un vrai pouvoir répressif. J'avais appris que travailler avec Pascal Sevran impliquait bien des malversations et qu'il avait exigé de certains de ses jeunes collaborateurs un droit de couissage, totalement. Il était gay, hein. Oui, mais vive les gays, mais d'une façon totalement véhémente et autoritaire, totalement. Ça a beaucoup joué. J'ai une anecdote à propos de Pascal Sevran. Ah bon? Je me trouvais à Paris dans un endroit très détestable qui s'appelle Maxim's, mais on m'avait donné un rendez-vous là-bas, une jeune pétroleuse. Et d'ailleurs, t'es pris en faute là, donc tu vas te mêler justement aux gens que tu n'aimes pas. Ah pas du tout, c'était un cas que je n'aimais pas et j'allais pas y rester longtemps. Dès que je l'aurais retrouvé, je lui aurais proposé un autre endroit, je ne connaissais pas. Et j'attendais la pétroleuse. Oh, il y a évidemment quelques bistrots sympatoches à Paris où on était mieux, donc c'était pas très heureux d'être là. J'avais pas réfléchi où elle me donnait rendez-vous. Tout d'un coup, Pascal Sevran entre. Il avait déjà été entarté. C'est son fief. Il avait été entarté et il hurle dehors. Ici, je suis chez moi. Il appelle les garçons et il dit foutez-moi ce salopard à la porte. Et moi, je faisais comme si je n'entendais rien. Je continuais à siroter mon verre. Quand il hurlait vraiment, c'était le happening. Quand j'étais, contre toute attente, défendu par un des consommateurs qui n'était autre que le chanteur Carlos, qui est arrivé, il est formidable ce garçon, reste, tu es le bienvenu ici, tais-toi. Et ils se sont quasiment bagarrés tous les deux d'une façon spectaculaire, c'était le happening le plus total. Et Carlos qui est décédé en fait. Oui, et qui était tous les deux, le fils tous les deux nous ont quitté. Qui était le fils de Madame Dolto, Carlos. Le fils de Françoise Dolto. Je ne l'ai appris que fort tard. Oui. Ben, voilà. Il y a un autre truc qui m'a alors vraiment fait rigoler, c'est votre intervention à Nantes, dans une cathédrale. Il faisait vraiment n'importe quoi. Hein. Bah, c'était en pleine grand-messe, 15 jours avant le débarquement du pape. Mais il s'agit de porter les offensives burlesques là où règne la cornichonnerie. Et dans cette église de Nantes, il y avait un état d'esprit totalement intégriste. Ah, il y avait d'ailleurs trois évêques, proprement dit, qui disaient la messe, qui étaient radio-diffusés en direct par la radio catholique de France. Et il s'est passé d'ailleurs quelque chose d'incroyable, mais vraiment d'incroyable. Au moment de l'entartement, on entend les nombreux fidèles font « Oh !» Et quelqu'un qui travaillait à la radio en question pour des raisons économiques m'a... Ah, je raconte durant l'opération. Nous avons entarté les quatre prêtres officiants dont les trois évêques ont un peu avant la consécration... Tout le monde a eu droit à sa tarte. Oui, totalement. C'était justice devant les tarpelles. Le bois total... Évidemment, nous essayons d'être le plus juste possible. Et voilà. Et assez incroyablement, une connaissance qui travaille comme stagiaire à la radio en question m'a dit, et nous a juré qu'elle n'exagérait pas, que la radio en question était bombardée de coups de fil et une bonne part
des auditeurs au téléphone ont demandé, ayant entendu un « Oh, s'il y avait eu un miracle !» Mais il y a quand même une remarque que je voudrais faire. Ah. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, tu as été très peu poursuivi par rapport à toutes tes attaques pâtissières. Oui. Il y a eu deux cas, je crois. Enfin, il y a un cas que j'ai très bien remarqué, c'est Chevènement. Il y a eu deux cas. Chevènement, et avant, il y avait eu Philippe d'Ousteblasie. Oui. L'entarteur du jour. Et là, ils ont laissé tomber. Était d'Ambuquois, d'ailleurs. Hein, ça lui arrive aussi. Ah, ben oui. La tarte. Et non, le procès a eu lieu en France. Ils ont laissé tomber. Et notre avocat de la défense a expliqué à la cour que c'était une vieille tradition belge relevant du surréalisme d'entarter les fâcheux. Ouais. Et la présidente de la cour a dit « Ah bon, acquittement ?» Acquittement. Tout à fait. Mais dans le cas de Chevènement, là... Alors là, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Pour la première fois, on se retrouvait dans une vilaine posture. Il se fait que Chevènement, ex-ministre de la Justice et de l'Intérieur, avait gardé des contacts très privilégiés avec le milieu, ce qui fait qu'on est tombé devant une cour d'une impassibilité sidérante, jamais le moins petit sourire, alors que c'était un procès très comique qui rappelait les belles heures de Radio Luxembourg, voilà. Dans les années 50, je ne sais pas quel âge tu avais, les tribunaux comiques, ah, voilà, avec le guignon lampiste. Toujours est-il que ils n'ont pas rigolé, le public criait tout le temps et que tous les journalistes, mais même ceux de droite n'arrêtaient pas de rire, et eux restaient de marbre. 800 euros d'amende. Tout à fait. Après, nous perdons en appel, et là, ça nous perdons en cassation. C'est la catastrophe, car nous n'avons rien dans notre tirelire. C'est un œil pour presque 8000 euros. Hein. Oui, on s'est dit, oh là là, cette fois, on est foutu. Quand le conte de fées s'est produit. Ah bon? On nous a organisé à Bruxelles une group party dans une boîte qui s'appelle le Mirano. Oui. Et le soir en question, il y a eu un millier de personnes qui sont venues, une grosse partie de l'entrée c'était pour nous. Et alors, toute une série de people nous ont apporté des cadeaux pour la tombola et la vente aux enchères. Benoît Poulvord nous a offert le script original de cette arrivée près de chez vous. Ah bon? Et Lio, l'original? Oui, totalement, qui est bien parti. Et Lio nous a offert sa petite culotte bateau mythologique, totalement, qui est partie aux enchères. On les reconnaît bien, là, je pense. Générosité magnifique. Et à la fin de cette group party, nous avions réuni à quelques euros près la casta de Sol en question. Oui, on pouvait donc recommencer. 7000 et quelque chose, j'ai lu. Oui. Bon, on a vu bien sûr toute la partie en tartage, parce qu'il est impossible de parler de Noël Godin sans évoquer les nombreux en tartage qui sont ceux qu'on voit, disons, de manière les plus vivantes dans la presse. Mais en fait, derrière l'entarteur, il y a quelque chose d'autre. Et pour moi, ça m'a semblé très important. Tu te présentes très souvent, ou en tout cas, on te fait passer pour un anarchiste, un libertaire. Qu'est-ce que ça évoque, ces termes, pour toi? Et est-ce qu'il y a une idéologie là derrière? Mais moi j'aime bien ces mots qui peuvent sembler archidatés. Le mot anarchiste, employé à tort et à travers, comme l'est le mot surréaliste évidemment, a quelque chose qui me plaît parce qu'il dit bien ce qu'il veut dire, être contre l'arcos, c'est la loi, donc être toute forme de loi et de règles, vive l'anarchie. Est-ce qu'une société peut vivre comme libertaire, ça? Ben, c'est le seul objectif qui me semble totalement réjouissant, c'est de lutter pour un monde sans loi, sans contrainte, sans tabou, pour le monde de la liberté totale. Et quand tu me dis une société peut-elle vivre comme ça, eh bien, il y a eu quelques exemples historiques. Ah bon? Car on pense que les anarchistes sont des doux rêveurs et que jamais... Des poseurs de bombes. Sont uniquement des poseurs de bombes et il s'est fait que plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu des expériences de vie autre collective qui ont réussi extraordinairement. Au début de la dite révolution russe, toute l'Ukraine a été libérée par Nestor Makhno et ses amis anarchistes, c'est-à-dire plus de contraintes du tout, le
plus de travail obligatoire, plus d'argent. L'argent, toutes les décisions concernant la vie collective étant prises par les assemblées révolutionnaires, finit toutes les limites, et ça a marché à fond avant que les centaines de milliers de paysans insurgés, qu'on appelait les macnovistes, se fassent massacrer à la fois par les derniers tsaristes, par les blancs, et par l'armée rouge conduite par Léon Trotsky à la tête des massacreurs de l'armée rouge. Idem en Espagne, durant la guerre civile, des régions entières ont été libérées par les anarches, comme la Catalogne, et là, une nouvelle fois, plus d'argent, plus de lois, plus de contrats, toutes les décisions sont prises par joyeusement par tout le monde en même temps, et ça marchait. Ça donnait, on en finissait avec les fonctions parasitaires, et là encore, massacre du côté des franquistes, mais aussi du côté des staliniens. Mais ce qui est amusant, c'est que dans tout ce que tu expliques, je retrouve des thèmes qu'on trouve à droite, des thèmes qu'on trouve à gauche. Vous êtes vraiment, disons, quelque part ailleurs. On pourrait considérer que je suis à l'extrême gauche, mais à l'extrême gauche anarchisante. Il se fait que tous les partis de gauche se présentant aux élections, donc pour le moment aussi bien les trotskistes que les marxistes-léninistes que Mélenchon en France veulent le pouvoir, et évidemment veulent le pouvoir, et sont avant tout des réformistes, réformettes branlettes. Mais alors il y a aussi, je trouve, cet aspect très amusant du personnage, c'est que tu es vraiment pour la débauche. J'ai lu d'abord, tu adores le Hans-Ottegem, je crois. Ah, mais la Hans-Ottegem, pour moi, c'est le meilleur élixir du monde entier. C'est une bière. J'adore toutes les bières trappistes, les bonnes bières artisanales, mais la meilleure d'entre elles, c'est la Hans-Ottegem. Il s'agit d'autant mieux d'en parler que la brasserie vient de disparaître. Ah, bon. Que j'espère qu'elle va, elle devrait être reprise d'une façon ou d'une autre. Mais c'est une bière qui attise les facultés critiques et la lucidité tout en euphorisant inouïment, et c'est la seule bière forte qui saoule jubilatoirement, qui n'implique pas qu'on doive arrêter, parce qu'après 4-5 Duvel ou 4-5 Rochefort, on doit arrêter, l'estomac ne suit plus. Avec la Hans-Ottegem, il n'y a aucune raison d'arrêter, ça purge, ça fait un bien fou au corps, et on a eu quelques-unes de nos cuites les plus inouïes avec de la Hans-Ottegem. Mais donc, non seulement tu prônes l'usage de l'alcool, l'usage de la débauche ou des bacchanales, comme tu dis, si je me souviens bien. Oui, la sexualité débridée. C'est un très beau mot, bacchanale. Oui, la sexualité débridée. Et ça m'a un petit peu heurté. À quoi Non, autre chose. Tu oui. prônes aussi, parce que tu dis que ça attise l'esprit, l'usage de drogue, comme par exemple la coke. Mais je n'en prends pas pour ma part. Ce qu'il y a, c'est que je ne supporte aucun interdit. Et alors par rapport à la coke ou aux fumettes, ou même à l'opium, qui est assez destructeur, on le sait, ce qui est intolérable, c'est de nous interdire quoi que ce soit à chacun. Y compris la cigarette. À chacun, même chose, je suis anti-tabac. Oui. À fond anti-tabac. Et j'ai été amené plusieurs fois à faire le coup de poing à côté de fumeurs qu'on évacuait de bistrot, comme mon ami l'humoriste Christophe Alévèque, pris à partie par des loufias. Ben, je défends les fumeurs qu'on terrorise totalement, tout en étant absolument contre le tabac nous détruit réellement. Mais il y a plein d'autres choses qui nous détruisent. Alors si on commence à en finir avec ce qui nous détruit, commençons par en finir, abolir toute forme de gouvernement, car la politique est encore plus dangereuse que le tabac ou que la coke. Est-ce que tu ne penses pas, ce sera d'ailleurs peut-être ma conclusion, qu'à l'époque actuelle, la censure voulue ou bien insidieuse est plus forte qu'il y a 20 ans? On voit notamment en France, disons, des comiques ou des humoristes qu'on fiche carrément à la porte de la télé parce qu'on n'aime pas leur façon. J'ai l'impression que ça revient au même. Cette répression contre les humoristes trash, oui. Elle a toujours eu lieu.
Je me rappelle que des proches avaient pas mal d'ennuis, que Coluche en a eu à l'époque, et que la presse n'était... Harakiri a eu beaucoup d'ennuis avec la justice. Donc, probablement que la censure se corse. Oui. Se corse pour le moment, et à nous de riposter. Stéphane Guillon et Didier Porte ont été, comme vous le savez, congédiés par Philippe Val. À nous de les venger pâtissièrement. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a une drôle de voix. On va pas se laisser faire, les gars. Mais alors, tu es écrivain? Tu as déjà écrit pas mal de choses, on ne peut pas les citer tous. Il y a ceci qui vient de sortir tout récemment, je le montre à la caméra. Attention, je précise que c'est une nouvelle édition. Le livre existe depuis 20 ans, j'ai passé 15 ans à rassembler les textes les plus fouteurs de merde que j'ai pu trouver à travers toutes les époques et toutes les géographies. Et le voilà réédité à l'âge d'homme. Mais des textes à toi ou... Non, c'est... des textes pris chez les subversifs depuis le Moyen Âge. Les plus divers, ce n'est que des textes totalement pimentés qui proposent de tout faire péter, pour tout réinventer d'une façon ou d'une autre dans... Voilà. Et ça s'appelle Anthologie de la subversion carabinée, et c'est paru chez L'Âge d'Homme. D'Homme, éditeur suisse. Éditeur suisse. Pourquoi t'as pas trouvé d'éditeur en Belgique? Non, en France et en Belgique, j'ai essayé très, très longuement. Tout le monde m'a dit non, car les textes sont assez gratinés. Et puis j'ai eu ce Suisse, c'est un peu le Gallimard suisse, qui n'a pas tenté de me censurer le moindre petit mot. C'est un grand seigneur de l'édition. C'est cochon ou c'est pas petit? Il y a de tout, mais il y a des appels à toutes les formes de révolte, et donc... toutes les formes de libération, de débauche, et de débauche, y compris la plus corsée, évidemment. Okay.